rendre. I'm coming to bring. Toute pensée captive. Leave all captive thoughts. À l'obéissance de ta parole. Of obedience to your word. Merci Jésus pour ta présence. Thank you Jesus for your presence. Merci Saint-Esprit pour ton rendez-vous. Thank you Holy Spirit. Avant que nous venions en ces lieux, as us coming into your presence in this place, tu nous as déjà précédés. You have already led us. Et c'est toi qui nous as accueillis dans ta présence. And it is you that have welcomed us into your presence. Parle en ce moment. Speak at this moment. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Nous avons ainsi prié. We have said, et nous disons merci Seigneur en acclamant le roi des rois. Let us clap for the King of Kings. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Bon après-midi à tous. Good afternoon, everyone. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons ouvrir nos Bibles. We're going to open our Bibles. Dans Marc chapitre 7. In Mark chapter 7. Nous lirons à partir du 24e verset. From the 24th verse. Jusqu'au 30e verset. To 31st. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus, nous pouvons nous mettre. Bon après-midi. Good afternoon. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Nous sommes toujours dans notre thème vivre dans le sublime divin. We are in our theme living in the divine sublime. Et pendant que je priais et je méditais la nuit, and while I was praying and meditating at night, le Seigneur m'a amené dans ce passage. The Lord brought me to this passage. Parce que il voit un besoin. Because he sees a need. Donc aujourd'hui, sois vraiment attentif. So today, please be very attentive. Écoute la parole de Dieu and listen de to the word of cœur. God with all your heart. Je crois vraiment que le Seigneur te fera du bien. I believe the Lord will do you good. Amen. Amen. C'est l'histoire de la femme syrophénicienne. It's the story of the Syrophénician woman. Donc cette femme était comme une métisse, s'il faut dire. This woman, she was mixed race. Elle avait des origines différentes. She was from a different origin. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit qu'elle était syrophénicienne, when we say that she was syrophénicienne, elle venait de la Syrie et de la Phénicie. She came from Syria and Phoenicia. Et quand on dit qu'elle avait l'origine grecque, when they say that she had a Greek origin, on dit pas qu'elle avait la nationalité grecque. They don't say that was her nationality. Mais on voulait juste honorer qu'elle était païenne. But they wanted to just say that she was. Elle ne connaissait pas Dieu. She did not know God. Alléluia. Amen. Souvent quand on parle de grec dans la Bible, when we speak of Greek in the Bible, on parle de païen. We speak about pagans. Donc elle était païenne. She was an unbeliever. Elle ne connaissait pas le véritable Dieu. She did not know the true God. Elle ne connaissait même pas. She did not know. Elle ne servait même pas Dieu. She didn't serve God. Alléluia. Amen. Elle n'adorait pas le véritable. She didn't worship the true. Mais la Bible dit ceci. But the Bible says this. Quand Jésus entra dans cette ville de Tyre. When Jesus entered the town of Tyre. À Sidon, la Bible dit ceci. The Bible says. Que cette femme avait entendu. That woman heard. Elle a entendu l'arrivée du Seigneur. She heard the arrival of Jesus. Mais la Bible nous dit ceci. But the Bible says this. Que Jésus entra dans une maison. That Jesus entered a house. Désirant que personne ne le sache. Hoping that no one would see him. Moi, je ne suis pas sûr. I am not sure. Que le Seigneur en entra dans la maison. That the Lord entering the house. Il ne voulait pas vraiment que personne ne le sache. He didn't want no one to know he was there. Vous savez, Dieu, you know, God, c'est lui qui nous appelle. It's him that calls us. Et quand il entre quelque part, he enters somewhere, il sait exactement qu'est-ce qui va se passer. He knows what is going to happen. Toi qui as reçu le Seigneur, you who has received the je Lord, te dis que tu es sous le contrôle du Seigneur. I'm telling you that you're under the control of the il Lord. Il sait ce qui va se passer dans ta vie. He knows what is going to happen in your il life. Il connaît exactement ton avenir. He knows your exact parce future. Parce qu'il a le contrôle de toutes choses. Because he has control over everything. Jésus connaissait bien la situation de cette ville. Jesus knew the situation of that town. Il connaissait bien qu'il y avait. He knew that there was. Des gens qui croyaient en Dieu. People that believed in God. Et d'autres
and others that didn't believe in him. Et en entrant dans la maison, and when entering the house, je crois bien, I believe que cette maison, that house appartenait à celui qui connaissait le vrai Dieu, belonged to the one that knew the true God. Et sûrement, and surely, il y avait encore beaucoup de gens dans cette maison. There was a lot of people in that house. Peut-être ils mangeaient. Maybe they were eating. Parce que le Seigneur parle du manger ici. The Lord speaks about eating here. Alléluia. Amen. Sûrement ils mangeaient. Surely they were eating. Sûrement qu'il y avait des gens dans cette maison. Surely there was people in that house. Parce que s'il était vraiment entré discrètement, because if he entered in secret, sans que personne ne sache, without nobody knowing, je crois, I believe, je crois, I believe, que cette femme n'allait pas savoir, that woman was not going to be seen, qu'il y avait le Seigneur dans or la maison, know that the Lord was there. Si elle a su, if she was sure, c'est parce que it was because il y a eu peut-être des gens qui ont dit. There was people that probably said something. Alors la Bible dit ceci. The Bible says en entendant que le Seigneur était dans cette maison, while hearing the Lord was in the house, cette femme vint. The woman went et s'est jetée par terre. And threw herself on the floor. Au pied du Seigneur, at the feet of Jesus, et commença à pleurer et à demander que le Seigneur puisse guérir sa fille. She started to cry and ask God to heal her daughter. Ça c'est juste le résumé du message. That is the message. Mais aujourd'hui, but today, par la grâce de Dieu, by the grace of God, le Seigneur me met à cœur de parler du procédé. The Lord has placed in my heart to speak about the process. Quand nous parlons du procédé, when we speak about the process, le procédé est une méthode employée pour parvenir à un certain résultat. The process is the method used to achieve certain results. Le procédé, c'est aussi un processus. The process is a process. Alléluia. A procedure. Ce qu'on appelle procédé, when we speak about a process, est différent de la procédure. Is different from the procedure. Quand nous parlons de la procédure, when we speak about the procedure, la procédure est un ensemble de règles. That is followed with rules. Donc une personne qui suit la procédure, each person that is following the procedures, est celle qui suit les règles, and the one that is following rules. Alléluia. Amen. Dieu est multidimensionnel. You know, God is multidimensional. Et la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. La manière dont il a opéré hier, the same way he was operating yesterday, ce n'est pas la même qu'il va opérer dans ta vie aujourd'hui. It's not the same way he will operate in your life today. Voilà pourquoi nous sommes appelés, that is why you are called, à chercher continuellement la face de Dieu. To continuously seek the, beaucoup de gens relâchent. Lots of people let go. Beaucoup de gens se fatiguent. Many get tired. Après avoir peut-être reçu quelque chose. After maybe receiving something. Mais tu peux recevoir. But you can receive. La chose aujourd'hui. Something today. Et tu la foules au pied demain. And you kick it tomorrow. Ce qui est très important. What is important, c'est is de conserver la bénédiction. To conserve the blessing. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Can you tell your neighbor? Conserve ta bénédiction. Conserve your blessing. Le procédé. The procedure est différent de is la different procédure from the procedure. Un homme qui suit la procédure, a person that follows the procedure, c'est un homme qui est sous un programme. Is someone that is in a program. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la procédure, when we speak about the procedure, nous voyons vraiment de règles. We see orders and rules. Il y a 1, 2, 3, 4. There's 1, 2, 3, 4. Donc tu ne brûles pas les étapes. Meaning you go on stages, pour levels, aboutir à un résultat. To get to a result. Alléluia. Amen. Mais dans le domaine spirituel, but in the spiritual domain, bien qu'il y a de l'ordre du Seigneur, good that there are orders of the Lord, nous sommes appelés à vivre par la foi. We are called up to live by faith. Or celui qui vit par la foi, the one who lives by faith, c'est celui-là qui vit selon la volonté du Père, is the one la that volonté lives according to the will of the Creator. Si Dieu te dit d'aller à gauche, if God tells you to go left, il ne te dit pas, he does not tell que demain il va encore t'envoyer à gauche. Tomorrow that he will bring you left. Demain il peut t'amener à droite. Tomorrow he may bring you to the right. Demain il peut te dire. Tomorrow he could say. De regarder derrière. Look behind you. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup David. That is why I really love David. La Bible dit à chaque fois says, each time, qu'il voulait combattre, he wanted to fight les ennemis, the enemy, il consultait toujours Dieu. He always consulted
exalted back to God. Et des fois, Dieu le disait. And God always said to him, tu réussiras. You will succeed. Monte. Go. Et des fois, il disait. And sometimes ne he monte said, pas. Don't go. Alléluia. Prends garde, reste sur place. Stay there. Nous sommes appelés à écouter Dieu. We are called up to listen to God. Parce que c'est Dieu qui dirige nos vies. Because it's him that is leading our lives. Cette femme avait entendu. That woman has heard. Que le Seigneur était dans cette maison-là. That the Lord was in that house. Et la Bible dit elle vint. And the Bible said she went. Elle se jeta. She begged. Aujourd'hui, nous allons parler du procédé. Today we're going to speak about the process. La méthode que cette femme avait utilisée. The method that this woman had used. Pour parvenir au résultat. To achieve certain results. Nous savons qu'elle avait un enfant. We know that she had a child. Une petite fille. A small girl. Parce que dans d'autres versions. Because in other versions. On ne parle pas de la fille, on parle de la fillette. They don't speak about the girl. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans ici qui ont des fillettes. There are many mothers that have children, comme daughters. Notre sœur qui est là. Like our sister c'est une here. Fillette. She's a daughter. Mais vous imaginez. But imagine. Comment cette maman souffrait. How that woman suffered. Elle avait une fillette. She had a daughter. Qui était possédée par un esprit impur. That was possessed by an impure spirit. Une fillette. A daughter. Comme la a Bible small daughter, dit dans d'autres versions. Like in other versions. Cette fillette était possédée par un démon. The daughter was possessed by a demon. Alléluia. Amen. Et sûrement, and surely, cette situation avait perduré. That situation was probably. La maman s'est lamentée. The woman was. It probably lasted a long time. Cette maman s'est lamentée. That woman was. Mais elle trouvait pas la solution. She didn't find the solution. Tu peux te lamenter. You may be uneasy. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Tant que Jésus n'est pas là, tu trouveras pas une solution. As Jesus is not there, you may not find a solution. La véritable solution, c'est the en true Jésus. Solution is found in Jesus. Elle connaissait bien cette situation. She knew that situation. Mais elle n'avait pas le pouvoir. But she didn't have any power. De trouver une solution. Or to find a solution. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Can you tell your neighbor? Le pouvoir. The power. Beaucoup vivent dans des situations pareilles. Many live in the same situations. Beaucoup ont des équations sans solution. Many have situations with no answer. Ils viennent même dans des églises. They come to church. Ils vivent dans des églises. They live in churches. Mais sans solution. But without a solution. Mais aujourd'hui, but today, je veux juste te dire que c'est Jésus qui a la solution. I just want to tell you that it's Jesus that has the solution. Alléluia. Amen. Combien d'années cette situation a duré? How many years was this going on for? Combien? How many? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui you vivent know, des situations très compliquées. That live in complicated situations. Qui ont des situations, des phénomènes bizarres qui se passent dans leur vie. Weird phenomenal things happening in their lives. Des phénomènes spirituels. Spiritual phenomenons. Mais ils se taisent. But they're quiet. Ils ne parlent they pas. They say nothing. Même dans des églises. Even in church. Même de serviteurs et servantes. Even servants of God. Il y a des phénomènes. There are things happening. Qui se passent dans des corps des gens. In the body of people. Dans des maisons des gens. In people's homes. Mais ils se taisent. But they're quiet. Ils ne parlent pas. They don't speak. Alléluia. Amen. Ils peuvent aussi prier. They could also pray. Ils n'ont pas de réponse. But there's no response. Peut-être tu es au milieu de nous ici. Maybe you are among those. Tu as une situation qui a duré. A situation that has been going on for a long time. Mais je te dis. But I'm telling you. Il y a un procédé. There is a process. Tu dois entreprendre une démarche. You have to go on a walk. Par la foi. With faith. La démarche se trouve dans ta foi. The walk is found in your faith. Tu es appelé à quitter. You are called up to leave. Un lieu. A place. Une dimension spirituelle. A spiritual dimension. Pour aller dans une autre dimension spirituelle. Another spiritual dimension. Cette femme servait d'autres dieux. That woman was serving another god. Elle priait d'autres dieux. She prayed to another god. Mais en entendant que le Seigneur était là. But when hearing that the Lord is that the Lord came. Elle se dit. She non, said no. Je dois essayer. I have to try. Sûrement ce surely that man va faire quelque chose may dans do ma vie. Something in my life.
Au lieu même d'amener sa fille, instead sa of fillette, even bringing her little daughter, elle vient seule. She came alone. Alléluia. Amen. Non, elle avait une dimension. She had a dimension. Une autre dimension. She had a different dimension. Vous savez le problème, you know, the problem qui est dans ta maison, that is in your house, quand tu viens dans l'église. When you come in the church, ne t'en fais pas, tu apportes ce problème là. Bring that problem here. Tu viens avec ce problème. Come with that problem. Même si tu as laissé un problème à la maison. Even if you left a problem at home. Ces derniers temps, le Saint-Esprit me these last parle times, beaucoup the Holy couples. Spirit is talking to me about a lot of couples. Beaucoup de couples. A lot of couples. Les couples ont des sérieux problèmes. The couples have serious problems. J'ai dit des sérieux problèmes. I'm saying serious problems. Et quand un couple a exprimé and when problème, a couple has a serious problem, ça affecte même les enfants. It affects the children. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes. There's a lot of women. Beaucoup de maris. A lot of qui pleurent au dedans d'eux. Cry inside. Mais ils font semblant. But they're pretending. Souvent, il y a aussi un problème. Sometimes there's even a problem. Quand nous ne reconnaissons pas l'autorité divine. When we don't realize the divine authority. Ça forme une certaine incrédulité dans nos cœurs. It forms an incredulity in our hearts. Et nous demeurons dans la situation. And we just remain in that situation. Je ne parlerai pas. I will not speak. Je me tairai. I will just be quiet. Seul le Seigneur. It's only the Lord va me donner la solution. That will give me the solution. Mais tu as oublié. But you forgot que le Seigneur a établi ses serviteurs. The Lord has established servants. Il peut utiliser ses serviteurs. He can use that servant pour te donner la solution. To give you the solution. Parce que ton problème, because the problem est that plus you have spirituel is more spiritual que physique than physical. Le spirituel, the spiritual affects will affect tout dans ta vie. Everything in your life. Alléluia. Amen. Cette femme avait un problème spirituel. The woman had a spiritual problem. Mais elle était incapable. But she was incapable de le résoudre. To resolve it. Elle était incapable. She was incapable de résoudre cette situation. To resolve the situation. Pendant combien de temps? For how long? Ton problème a duré. Has your problem been lasting for? Tu as cherché à trouver des solutions ailleurs. You have seeked to find solutions elsewhere. Tu ne trouves pas. But you have not found anything. Essaye de monter. Try to go. Essaye de changer de dimension. Try to change dimension. Certains problèmes, il faut parler. Certain problems you need to speak. Il faut parler. You have to speak. Ce n'est pas en vain. It's not in vain que le Seigneur a établi ses servants. That the Lord has established his servants. Il y a une certaine méfiance. There's a certain lack of trust qui se développe dans les cœurs des enfants de Dieu. That develop in the children of God. Or, in si their tu manques la confiance, if you lack trust, c'est fini, c'est une barrière. It's a big barrier pour toi d'évoluer spirituellement. For you to evolve spiritually. Parce que tu as besoin, because you need d'un encadrement spirituel. Spiritual help. Tu as besoin, you need d'un accompagnement spirituel. And spiritual accompaniment. Et les serviteurs établis. And a servant sont that's established. Pour accompagner les gens. They are there to be there with people spiritually. Je crois bien. I believe well. Cette femme avait passé des moments avec d'autres serviteurs, that this d'autres woman dieux. Probably spent time with a lot of other servants with a different God. Mais elle n'a pas trouvé la solution. But she did not find the solution. Le jour où elle était venue se jeter aux pieds du Seigneur, she threw herself at the feet of Jesus. C'est ce jour-là. That was the day que la solution était entrée dans sa maison. The solution entered her home. Alléluia. Amen. Et puis c'était dès le premier jour de sa rencontre avec le Seigneur. And that was her first time meeting the Lord. Beaucoup de gens pour se prosterner devant le Seigneur. Many people to kneel before God. Ils attendent peut-être 5 ans, 10 they're ans. Waiting for 5-10 years. Ils cherchent d'autres solutions. They're seeking for other solutions. Mais tout en étant dans le Seigneur. But when being in the Lord. Ils viennent dans des églises. They come to churches. Ils sont serviteurs et servantes. They are servants of God. Mais aucun jour. But which day? Ils se sont
prosternaient devant Dieu. Have they thrown themselves in front of God? Je ne parle pas de l'acte de s'agenouiller. I'm not speaking kneeling. Mais je parle de l'acte d'humilité. I mean the action of humility. C'est différent. It's different. Beaucoup de gens peuvent venir dans la présence Many de Dieu. Many people can come in the presence of God. Ils s'agenouillent. They kneel down. Ils prient. They pray. Mais ils ne viennent pas avec une attitude d'humilité. But they don't come with humility. Ils ne viennent pas avec un caractère humble. They don't come humbly. Ils résistent toujours. They're resisting always. Comme je ne cesse de le dire. Like I keep saying. L'incrédulité est beaucoup plus développée dans l'Église que dans le monde. Believing. Ouais. Est beaucoup plus développée. Is more developed. Dans l'Église. In the church. Que dans le monde. In the world. Alléluia. Amen. Les gens se placent de barrières. People place barriers. Et le problème demeure. And their problem lasts. Parce qu'ils ne viennent pas avec une attitude d'humilité. Because they do not come with humility. Tu verras quelqu'un qui est à l'église. You might see someone that is in the church. Qui ne parle pas. That does not speak much. Mais tu peux le voir. But you can see. Le Saint-Esprit te dit. The Holy Spirit tells you. Cet homme, cette femme. That person. Est vraiment orgueilleux. Is very, very prideful. Il croit ou elle croit qu'il connaît. They believe that they know everything. Amen. Amen. C'est bien. It's good. Tu peux connaître la situation. You can know the situation. Comme cette femme. Like that woman. Elle connaissait très bien. She knew well. Que dans sa maison. That in her home. Il y avait un problème. There was a spiritual problem. Mais elle n'avait pas le pouvoir. But there was no power. Alléluia. Amen. Et quand je parle de connaître. And when I speak of knowing. In Hebrew, j'utilise un mot yada. I'll use a word called yada. Yada qui signifie? Yada means savoir par expérience. Knowing by experience. Alléluia. Amen. Savoir par expérience. Knowing by experience. Il y a beaucoup de situations. There's a lot of situations that become normal. Dans nos maisons. In our homes. It's just like this. Tu connais très bien you know que cette situation that that situation est spirituelle. Is spiritual. Tu connais très bien you know very well que tu as des phénomènes bizarres qui se passent dans ta vie pendant that peut-être there are weird things happening in your life. Maybe even tes rêves sont compliqués. Your dreams are complicated. Tu connais très bien la you situation. Know your that situation. Mais tu n'as pas le pouvoir. But you don't have power. Tu connais. You just know. Tu as juste le yada. You have yada. Par expérience. Just by experience. Tu t'es dit peut-être you may even say la même situation that same situation va encore revenir demain. May come back tomorrow. Tu sais you know que tu seras détruit demain. That you'll be destroyed tomorrow. Mais tu n'as pas le pouvoir but you have no power de vaincre cet esprit to overcome that spirit qui te rend vaincu. That is, will try overcome. Tu n'as pas le pouvoir. You have no power. D'affronter cet esprit-là. To face that spirit. You just cross your arms. Tu t'es dit, you say. L'obéissance se revient. Tomorrow it will just come. Les mêmes situations se répètent. The same situation is repeating itself. Mais tu ne comprends pas toujours. But you don't understand still. Le sens spirituel de ta the vie. Spiritual sense of your life. Tu ne comprends pas pourquoi. You don't understand why. Vous savez, Dieu you know God peut permettre certaines situations. Can allow certain situations pour nous ramener to happen, à sa to bring us back to being conscious again. Jésus savait Jesus knew que cette femme that that woman avait un problème dans sa had maison. A problem in her home. Et s'il était entré ce jour-là and dans cette he maison, entered that day in that particular house, c'était juste pour cette femme. It was for her. Parce qu'on ne nous dit même pas because we did not even say le propriétaire de la maison. The owner of the house.
On nous dit même pas. We do not speak of here. Si le Seigneur était avec combien de gens? If the Lord was with how many people? Mais on nous parle de cette femme. But they just speak about this bien-aimé, particular tu es appelé woman. À marquer My beloved, ton you were called up to mark your Est-ce time. Que tu peux dire à ton Can voisin, you tell your neighbor? Marque ton mark temps. Your time. Elle qui connaissait la situation. She who knew the situation. Mais n'avait pas le pouvoir. But she had no power. Le pouvoir. The power. En grec, c'est In Greek, is exousia. 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 Alléluia. Amen. Cette femme n'avait pas ce pouvoir. That woman did not have that power. Sur les démons. On the demon. Qui tourmentait sa fille. That was tormenting her little daughter. Mais. But. Elle a quand même cherché. She at least sought. Elle est allée. She sought. Trouver le Seigneur. And found the Lord. Déjà avant d'aller. Even before going. Elle avait déjà une pensée. She already had a thought. Se prosterner. To kneel down. Dès que je and verrai then, cet homme-là. When I will see that man. Je veux me prosterner. I will kneel down. Elle avait déjà la pensée d'humilité. She already had the thought of humility. Beaucoup de gens manquent d'humilité. Many voilà people pourquoi. Lack humility. Leur problème That is why demeure. Their problem remains. Par manque d'humilité. By the lack of humility. Ils croient que. They believe That Ils vont eux-mêmes se délivrer. They will deliver themselves. Alléluia. Amen. Non, le bakar au nom de Jésus. I'll just say in the name of Jesus. Beaucoup de gens. Many people. Face aux esprits. Face spirits. Ils ont cité le nom de Jésus. And they have cited the name of et Jesus. Les démons. And demons. Les ont détruits. Have destroyed them. Malgré qu'ils avaient cité le nom Despite de Jésus. Despite them even calling out the name of Jesus. Souvenez-vous des sept fils de Séva. Remember that son of Séva. Ces gens avaient cité le nom de Jésus. Those people cited the name of Jesus. Et les esprits ont dit. And those spirits said. Nous connaissons Paul. We know Paul. Qui cite ce nom-là. That cites the Lui, same name. Il cite, when he cites it. Nous fuyons. We run. Mais vous. But you. Non. No. Tu y as besoin d'un accompagnement spirituel. You need an accompanion spiritually. Malgré tu pries, tu jeûnes. Despite you praying and fasting. Tu viens à l'église, tu you aimes come le to Seigneur. Church, you love the Lord. Mais quelque part. Somewhere. Tu ne t'humilies pas devant Dieu. You don't. You're not humiliated. You're not. Parce que tu humble, ne considères pas. Because you do not consider. Les gens que le Seigneur a établi. People that the Lord has established. C'est ça ton problème. That is your problem. C'est une grande barrière. That is a big barrier. Tu n'arrives pas à percer. You are unable to go through. Parce que tu marches seul. Because you're walking alone. Tu ne veux pas être orienté. You don't want to be oriented. Accompagné spirituellement. Accompanied spiritually. Et quand Jésus était venu. And when Jesus came. Cette femme. That woman. A augmenté sa foi. Elle increased dit, non, her je dois aller là-bas. She said no, I have to go. Manque d'humilité. Lacking of humility. Un grand danger. Is a great danger. Vous allez à nous, moi, la madame. You're a good person. Mais tu as un problème. But you have a problem. Tu n'aimes pas. You do not like. Te soumettre. To submit. Tu n'aimes pas. You don't like. Dire ton problème. To say your problem. Vous êtes sûr? Are you sure? Que nous n'accompagnons pas les gens. That we don't accompany people. Il y a beaucoup de gens aussi. There's a lot of people qui nous also appellent pour leur problème. That calls for their problem. Alléluia. Amen. Mais comment tu dois demeurer avec les mêmes problèmes? But how can you remain with the same problem? Dis encore orgueil. Say pride again. Dis bien orgueil. Say it well, pride. Ton orgueil se développe in a complicated way. In a complicated way. Alléluia. Amen. Mais cette femme. But that woman. Elle était humble. She was humble. She had a humble heart. Une païenne qui ne connaissait pas Dieu. A non-believer that did not know God. Mais qui vient? But she came. Dès la première rencontre. From the first meeting. Elle se prosterne. She begged. La première rencontre. The first time.
Elle était venue avec foi. She came with faith. Parce que elle n'avait pas amené de problème. Because she did not bring the problem. Elle a laissé son problème à la maison. She left her problem at home. Mais elle vient par la foi. But she came with faith. Bien-aimé. My beloved. Dieu peut faire quelque chose dans ta God maison can au moment où tu es your house while you are Mais here. Ton problème, but your problem, c'est de venir avec un cœur humble. Is to come with a humble heart. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Si tu viens avec un cœur humble, if you come with a humble heart, tu verras la solution. You will see the solution. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que ton problème demeure? What persiste? Has made your problem last so long? Qu'est-ce qui fait? What has it? Tu es appelé à entreprendre une démarche. You are called up to go on a certain walk. Il y a une démarche à faire. There's a walk that you have to go through. Alléluia. Bien que tu pries, tu jeûnes, good tu that ne vois you pray rien. And fast, you see Mais maintenant, nothing. Change un peu de But de now dimension. Try and change the dimension. Change de dimension. Try change the dimension. Cette situation ne peut pas toujours continuer that comme situation ça. Cannot continue just like that. Tu as la connaissance de you l'histoire. Have the knowledge of the tu as story. La connaissance des phénomènes. You have the knowledge of the things that are happening. Mais tu n'as pas le pouvoir you don't have power de vaincre ce problème. To overcome that problem. Le pouvoir. The power. Bien qu'il peut venir du Seigneur. That it comes from the Lord. Mais il y a la part de Dieu, il y a but aussi la part, part of de God, but it's also your part. Cette femme avait entrepris une démarche. That woman took a walk. Pour trouver la solution. To find the solution. Tu es appelé à venir you vers Dieu. You are called up to come to avec God. Ton cœur humble. With your humble heart. C'est alors that is so que then, cette démarche là that walk that va produire des choses dans ta vie. Will produce things in your life. Alléluia. Amen. Même les disciples étaient comme ça. Even the disciples were like that. C'était des gens humbles devant leur There were people that were humble Une next fois to them, quand vous lisez Luc chapitre 9, when you read Luke chapter 9, le verset 1, verse 1, la Bible dit ceci, the Bible says, le Seigneur appela ses disciples. The Lord called his disciples. Il leur donna la force. He gave them strength et le pouvoir and power de chasser les démons. To cast away demons. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que ses disciples étaient humbles devant Because lui. Those disciples were humble before him. L'humilité est une force. Humility is a strength. L'humilité est un pouvoir. Humility is a power. Celui qui est humble. The one that is humble. Accomplit le processus de miracle. Accomplishes the process of miracles. Accomplit le pouvoir. Accomplishes the power. De chasser les démons. Of casting away demons. Vous savez demons. Même un esprit mauvais. You know, even a bad spirit. Si tu n'es pas humble. If you're not humble. Devant le Seigneur. Before the Lord. Tu ne peux pas vaincre un esprit you mauvais. You will not be able to overcome a bad spirit. Le diable voit. The devil sees. Et il connaît. And he knows. Cette femme avait une force. That woman had a strength. Elle attendait seulement. She was only waiting. Le déclenchement de miracles. For the miracles. C'est elle-même. It was her. Qui a fait que. That did. Le that made sure. Dans the miracles sa would enter her home. Jésus a constaté son Jesus humilité. Noticed her humility. Et c'est à travers ce constat. And it's through that understanding. Que le salut est entré dans sa maison. The Lord entered the home. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Pour toucher le cœur de Dieu. To touch the heart of the Lord. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette parole. I love this word. Qui dit ceci? Jacques chapitre 4. James chapter 4. Verset 7. Verse 7. La Bible dit. The Bible says. Soumettez-vous à Dieu. Submit yourselves to God. Résistez au diable. Resist the devil. Et il fuira loin de vous. And he will run far away from you. Alléluia. La Bible dit résistez au diable. The Bible says resist the devil. Avant. Before. Non, soumettez-vous d'abord à Dieu. Submit yourself firstly to God. C'est lui qui se soumet à Dieu. The one who submits himself. C'est lui qui est soumis à Dieu. The one who submits himself to God is the one that can easily resist the devil. L'humilité est une force. Humility is strength. L'humilité est un pouvoir. Humility is a power. Quand tu ne t'humilies pas devant Dieu. When you're not humbled before même God. Même si tu cites le nom de Jésus. Even if you cite the name le of Jesus. Le problème va de
demeurera. That problem will remain. Parce que Dieu, because God réside, habite, lives, là où il y a and l'humilité. Resides where there's humility. Alléluia. Amen. Lisons encore Proverbes. Let us read Proverbs. Chapitre 22. Chapter. Le verset 4. Cette fois-ci, Eliezer, tu peux lire. Amen. Amen. Verse 4. L'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Le fruit de l'humilité. Humility, ici c'est comme il parlait du fruit de l'amour. Here it's like they're speaking about the mais maintenant of le love, fruit de l'humilité. But it's the fruits of humility. Alléluia. Amen. Et le fruit de la crainte de Dieu. The fruit of the fear of God. Un, la richesse. Firstly, riches. Celui qui est humble. The one who is humble. Reçoit beaucoup de la part de Dieu. Receives a lot from God. Il vit dans l'abondance. They live in abundance. La Bible dit ceci. The Bible says. Le fruit de l'humilité. The fruit of humility. Et de la crainte de Dieu. The fear of the c'est la richesse. It's riches. C'est la gloire. It's glory. La gloire qui est kabod. It's glory. Kabod. That is kabod. Kabod en hébreu signifie kabod in Hebrew la manifestation. The manifestation de la puissance divine. Of the divine power. Celui qui est humble. The one that is humble. Va expérimenter la puissance divine. The divine power. Il va vivre dans la gloire they de Dieu. They will live in the glory of God. Et la Bible continue. And the Bible continues. Le fruit to say, de l'humilité. The fruits of humility. C'est la vie. Is life. Celui qui est humble. The one who is humble. Vie. Lives. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est humble vit dans la présence de Dieu. The one who is humble lives in the presence of God. Celui qui est humble n'a pas de problème. The one who is humble has no problems in the presence of God. Ces combats deviennent le combat de Dieu. The battles become the battles of God. Il vit. They live. Il n'est pas mort. They are not dead. Il est en activité. They are active. À cause de son humilité. Because of their humility. Alléluia. Amen. L'humilité nous fait vivre dans la soumission humility divine. Humility makes us live in the divine submission. Tu es appelé à être disciple. You're called up to be a disciple. À être soumis aux choses de Dieu. To be submitted to the things c'est of God. C'est alors que tu vivras. That is how you will live. Alléluia. Amen. Personne nobody déclarera ta mort. Will declare your death. Ils peuvent parler. They can speak. Mais tu ne mourras pas. But you will not die. Parce que tu es humble. Because you are humble. They can declare failure, but you will not fail parce que tu es humble. Because you are humble. Un humble a humble person dans la présence de in Dieu the presence of God puissant. Is powerful. Alléluia. Amen. Sois humble. Be humble. Tu vas connaître you will know beaucoup de mystères a lot of mysteries in your life. Il y a des phénomènes. There are phenomenal things. Par-ci, there are phenomena here and there. Beaucoup rêves. Many dreams. Que de mauvais rêves. Of bad things. Moi, je prie me, I pray que je sois toujours vainqueur dans that mes rêves. I am always the overcomer in the dreams. You're always beaten up dans le rêve. In dreams. You're just beaten. Tu vis dans une sorte de servilité. You're living in some sort of slavery. Tu as toujours de rêves où tu es à chaque fois lié. You're always having dreams where you bound up. Tu n'as pas la joie de vivre. You don't have the joy of living. Alléluia. Quand tu viens à l'église, when you come to church, c'est juste le moment où tu souris. That's the time where you're smiling when you're in church. Quand tu rentres à la maison, but when you go back, maquillade. So just sad. Tu n'as pas la joie de vivre. You have no joy of living. Des fois, tu viens à l'église. Sometimes you come to church. Tu pries 5 minutes. And you pray for 5 minutes. And you think about your problems. 2 minutes. 2 minutes. Tu penses à tes problèmes. You go back to thinking about your problems. Danser, tu ne danses you pas. Dancing time, you don't dance. Chanter, tu ne chantes. When it's time to sing, you don't sing. Tu penses à tes problèmes. You think about your problems. Tu crois que you believe that your problems sont plus grands que Dieu. Are bigger than God. Sois humble. Be humble. Viens se jeter. Throw yourself. Viens te jeter dans la throw yourself in the presence of God.
Sois un adorateur. Be a worshipper. L'humilité de cette femme. The humility of that woman. A produit un miracle. Produced a miracle. Le résultat. The results. La solution. The solution. Que tu attends du Seigneur. That you're waiting for from the Lord. Dépend du procédé de ta foi. Depends on the process of your faith in Him. Je répète. I'll repeat it again. Le résultat, the results, la solution, the solution que tu attends du Seigneur, that you're waiting from the Lord, dépend du procédé de ta foi en lui. Of your faith in Him. It comes from you. Jésus a dit, vous qui êtes chargés. Jesus said, those who are charged are weary. Venez en moi, ça c'est son souhait. Me, that's his wish. Et je vous donnerai du and rest. I will give you rest. Venez. Come. Dieu ne nous exige pas. God does not exaggerate. Mais son souhait est que but nous venions. Is for us to come vers lui. To him. Ta situation a trop duré. Your situation has lasted a long time. Vous savez, il n'y a pas la foi en Jésus sans la soumission. You know, there's not any faith in Jesus without submission. La foi en Jésus sans faith soumission n'existe pas. Submission does not exist. Tu dis que tu aimes le Seigneur. You say that you love the Lord. Mais si tu n'es pas soumis, but if you're not submitted, tu n'as pas la foi. You don't have faith. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, it's like somebody qui ne croit pas au conducteur, that does not believe the conductor, mais il veut quand même monter dans la voiture, but they still want to go on the car, in the car. Amen. Amen. Vous allez remarquer, you will notice, s'il n'aime pas ce conducteur, if they don't like the driver, tu descends, you just get off, you get out. Et pourtant ta destination, your destination était Londres, is London. Tu ne veux pas te laisser conduire. You don't want to let yourself be led. Beaucoup de gens, a lot of people, s'arrêtent sur le chemin, are stopping on the way, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la confiance. Because they do not have something called trust. Alléluia. Amen. Quelle est ta démarche? What is your walk? Pour procéder. For the process. Et avoir une solution. And to have a solution. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Alléluia. Amen. Notre Seigneur. Our Lord. Il est la solution. He is the solution. Vous savez, la solution, you know, the solution précède à nos problèmes. Proceeds to our problems. Mais entre tes problèmes et la solution, but between your problem and the solution, il y a une barrière. There's a barrier in the middle. C'est toi maintenant, it's you now, qui doit franchir cette barrière. That has to break down that barrier. Pour aller vers la solution. So you, for you to get to the solution. Si tu n'arrives pas à briser la barrière, if you're unable to burn down the barrier, tu resteras avec tes problèmes, you will just remain with your problems, et la solution sera and loin the solution de toi. Will be far away from you. La solution demeurera the solution des will remain over et there. Toi tu demeureras dans and des you problèmes remain in your problems, parce que tu ne veux pas aller, because you don't want to go vers la solution, to the solution together. Esaïe, chapitre 55, when you read Isaiah, le verset 6, la Bible dit, verse 6, the Bible says, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, seek for the Lord while he finds himself, invoquez-le, evoke him, tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seek the Lord while he can be found. Donc la solution est déjà là. As in the solution is already there. Solution est en moi. The solution is there. Vous appelez pas mener la solution. You're close to the solution. Tu es juste à côté de la solution. You're next to it. Mais tu ne la vois pas. But you don't see it. And look. Tu ne veux pas la chercher. You don't want to look. Mais la solution est à tes côtés. The solution is right next to you. Tu as une solution à you have a solution, right? Tu as la solution. You have the solution. Mais ton problème est que tu ne la cherches pas. But your problem is you're not looking for it. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seek the Lord while he can be found. Il est déjà là. He is already there.
Alléluia. Amen. L'Éternel est là. The Lord is there. Avant d'y prendre la solution. He's sitting with that solution that you are looking for. Toi, tu ne veux pas t'approcher de lui. You don't want to come close to C'est him. C'est ça ton problème. That's your problem. Dieu a envoyé des solutions. God sent the solution. Qui sont proches de nous. That is around us. Mais nous ne le voyons and close, pas. But we don't see it. Parce que nous ne voulons pas chercher. Because we do not want to look. Nous demeurons dans nos situations. We would rather remain in our parce situation. Parce que nous ne voulons pas chercher la solution. Because we do not want to seek for the solution. Alléluia. Amen. Jusque là, le Seigneur est toujours invisible à tes yeux. Till now, the Lord is invisible. Parce que tu ne veux pas le voir. Because you do not want to see it. Tu ne veux pas le chercher. You do not want to look for it. Il est toujours là. It's still there. Alléluia. Amen. Parce que tu ne veux pas. Because you do not want to le chercher de tout look ton cœur. With all your heart. Tu ne veux pas le chercher en you toute do not humilité. Want to look with all humility. Tu ne devrais pas demeurer dans cette situation-là. You would not remain in that situation there. Tu tournes en rond, tu ne vois pas. You're going round and round, you're not evolving. Alléluia. Comment expliquer? How can we explain? Tu as toujours des problèmes. You have problems in your family. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why are those problems there? Quel est ce problème dans ce monde what qui n'a pas toujours la solution? That in world that does not have a solution? Quel est ce problème? What is that problem? Quel est ce problème? What is that problem? Toi, tu es jeune fille, jeune you garçon. You are a young boy or mais girl. Regarde à l'école, tu but as toujours le même school, problème you des mathématiques the same là. Problems of maths. Quoi encore? What else? Quoi? What else? Science. La solution est là. The solution is there. Jésus est avec toi. The Lord is with you. Mais tu confonds. But you're confused. Dis à ton voisin tell your neighbor, confusion. Leave confusion. Non, ce message est this pour word tout le monde. Is for everybody. Même les petits enfants. Even les petits the little enfants. Children. D'ailleurs, cet enfant là that était that une child, fillette. A little girl. Alléluia. Amen. On parle d'une fille. When we speak of a girl, c'est une jeune fille jusqu'à l'âge avant de se marier. Before marriage, le jour où la fille va se marier, the day a child fille, is married, te demande un peu de la détermination. God is asking for a bit of determination. Pour avoir une solution. For you to have that solution. Si tu n'as pas la détermination, if you don't have that determination, tu ne peux pas arriver à la solution. You cannot get to the solution. La solution restera loin de toi. The solution will be further away ici, from you. Ici, je parle d'une dimension. Here I'm speaking about a spiritual dimension. Il y a un trajet spirituel entre toi et ta solution. There's a big spiritual gap between the solution and your problem. Tu ne seras jamais heureux. You will never be happy. Tant que tu ne t'approches pas de Dieu avec humilité. As you are not approaching God with humility. Alors, aujourd'hui, après avoir écouté ce message. Today, after listening this preaching. Quel serait ton procédé? What will be the process? Pour atteindre l'objectif. For you to get to the objective. Personne qui veut atteindre l'objectif the person who wants to reach the objective doit aussi faire le tas des lieux de sa situation. Needs to see the situation. Quelle est cette situation? What is it? Pour commencer à vaincre un problème, to begin to overcome a problem, tu dois le connaître. You need to know what it is. Si tu ne connais pas, if you do not know, you will see someone that is really misfortunate in their life and sad. Il est là toujours, très propre. But they're there still clean at home. À tout moment, each time, il pleure. They're crying. Il vient à l'église. They come to church. Mais en rentrant à la maison, but when going back home, il ne dort pas. They don't il ne fait sleep. Que pleurer. They just cry. Son cœur saigne. Their heart is bleeding. Mais quand il vient. But when they come. Quand elle vient. When they come. Hey. Hi. Y a pas de joie. There's no joy.
Il n'a pas la joie du Seigneur. There's no joy of the Lord. Souvent des problèmes que nous connaissons dans des groupes. Sometimes the problem that we know in the group. Proviennent au niveau de nos cœurs. Goes to the point of our hearts. Ton cœur doit être humble devant Dieu. Your heart needs to be humble before God. Si le cœur n'est pas rempli de bonnes choses de la part de Dieu, is not full of things from the part of God, les mauvaises vont donner du reflet. Bad will reflect. Et quand il y a le reflet, and when there's a reflection, Eliezer vient. Eliezer comes. Fais comme si tu me salues en souriant. Act like you're greeting me when smiling. Ni. What? Well, I don't like these things. I just wanted to greet you. There's a problem there. En fait, le problème n'est pas Eliezer. The problem is not even Eliezer. Mais c'est mon cœur qui est bourré de problèmes. But it's my heart that is filled with problems. Et comme reflet. And as reflection of that. Sont des mauvaises réactions qui sortent. Bad reactions that come out. Nous avons des problèmes dans des églises. We have problems in churches. Parce que nos cœurs. Because our hearts. Sont remplis de mauvaises choses. Are filled with bad things. Le diable cherche à déstabiliser. The devil is seeking to disorient. Le problème. The problem is. Qui te déstabilise. That is destabilizing you. Ne vient pas d'un ami. Does not come from a friend. Ni de ton église. Or your church. Mais le problème là. But the problem there. Vient des esprits. Is coming from spirits. Les esprits. Spirits. Tu peux dire les esprits. Say spirits. Mais dès que But tu prends la décision. You to make the decision. De te soumettre to submit yourself totally devant Dieu. Before God, tu te dis non, you will say, fini. No, it's over. Je viens avec tout devant Dieu. I come with everything before God. Tu auras la solution. You will have the solution. Amen. Le Seigneur ici parle. The Lord here speaks. Quand cette femme avait dit, j'ai laissé un problème à la when maison. That woman said, I have left a problem at home. Ma fillette my est little tourmentée girl par un is démon. Tormented by a demon. Jésus lui dit, Jesus said, on ne donne pas we do not give la nourriture aux chiens. Food to the dogs. Cette femme that woman avait aussi also had la parole dans sa, the dans word sa bouche. In her mouth. Elle dit ceci. She said, même les petits chiens, even the dogs, se contentent des miettes qui tombent sous la table. Under the table, eat the children's crumbs. Donc sûrement, surely, peut-être il y avait des gens qui mangeaient même le Seigneur dans cette maison. Maybe there was people and the Lord eating in that house. Mais regardez. But look. On ne cite même pas leur nom. The names are not cited here. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviennent des habitués du Seigneur. There's a lot of people that are. Bah, leurs noms ne sont pas marqués. Their names are not here. Parce qu'ils sont des habitués. Because they're just people that live there. Et pourtant, je crois bien. But I believe well. Que les gens qui étaient dans cette maison. That the people that were also in that house. Pouvaient aussi avoir des problèmes. They could have also had problems as well. Mais regardez. But look. Quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Someone who came from far away. Elle entre. Comes in. Il entre dans la maison. Comes in the house. Et c'est lui là qui prend la solution. And it's that person that makes the les solution. Les autres. Other comme people, ils sont habitués. Because they're living. Les habitués. People that are just living. Qui souffrent de la gloutonnerie. From eating a lot. Continue to consume. They continue to consume. Mais tu prends cette nourriture pour or quoi? You take that food, why? Pour aller aussi partager. To also share. Les habitués. People that are just living. Ils sont toujours là. They're just there. Ne sois pas habitué. Do not just. Alléluia. Vous savez, quand tu ne fais que manger. When you continue to eat. Quand tu ne fais que manger. When you continue to eat. Tu seras fat. You will become fat. And not fit. And not fit. Il y a beaucoup de gens. There's a lot of people. Qui sont dans des églises. That are in churches. Ils sont des fat spirituels. That are spiritually fat. Non de fit and not fit spiritually spiritually ils ne font
pas de mouvement. They do not move. Ils ne sont pas souples dans le Seigneur. They do not move. Ils sont très lourds. They're very heavy. Et beaucoup de gens sont comme ça. And many people are like that. Au lieu de manger, ils sont engraissés. Instead of eating, they're slimming. Il faut manger la nourriture. You have to eat food. Qui est la parole. That's the word of God. Il ne faut pas être engraissé. Don't be gaining. Il faut manger pour you need être to fort. Gain to be strong. Et aller aussi appeler d'autres. And also call others. So they can also come to eat. Mais cette femme, but that woman, a trouvé sûrement des gens dans la maison. Surely found people in the house. Et c'est elle, and it's her, qui a eu la solution. Who had the solution. Peut-être toi tu as duré dans la maison. Maybe you have been lasting mais in the house. Mais tu n'as pas toujours de solution. But you have not found a solution. Parce que because tu digères mal. You were digesting bad. Tu digères mal. Quand la nourriture when the food est sur ta table, is on your table, tu manges. You eat. Tu es un bouffeur. You eat. Et non un mangeur. Et tu n'as pas de réaction. And you have no reaction. Combien de temps tu as duré dans l'église? How many times how long have you been in the church for? Quel est le procédé? What is the process? Pour atteindre for you to reach la solution. The solution. Il y a déjà la solution. There's already the solution. Si Dieu a dit if God said que tu vas te marier, you will get married. No, they will come in the dreams, no. La solution est là. The solution is there, pray. Sois orienté par Dieu, tu verras la solution. Be orientated by God and you'll see. Il va te dire, va à gauche. He will say, go left. À gauche, when you get là, left, il faut prendre la droite. Around the corner, you take the right. You have to open your eyes for you to see. Vous comprenez, frère? Do you understand, brother? Bambola, nous allons be blessed. We're going to continue later.